Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons sur le plateau télé de Saint-Nicolas pour la journée porte ouverte 2023 avec Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Mathieu. Tu es un ancien élève de Saint-Nicolas, diplômé maintenant de l'école Boulle. C'est ça. Un grand merci pour toi déjà d'être venu aujourd'hui. Avec grand plaisir. Peux-tu me présenter ton parcours, ta formation du collège à maintenant ? Bien sûr. Alors moi je suis issu d'un collège général que j'ai réalisé dans un collège privé sur Meudon, là où je suis d'originaire. J'ai fait un bac professionnel TMA, technicien menuisier agenceur au sein du lycée Saint-Nicolas justement, et j'ai intégré un BTS études réalisation d'agencement en 2 ans à l'école Boulle pour continuer aujourd'hui en licence chargée d'affaires en agencement à l'université Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée et en partenariat avec l'école Boulle. Ce collège à Meudon, quel type de collégien, quel type d'enfant étiez-vous au collège ? Alors, loin d'être le meilleur, on va pas se mentir, mais j'étais un élève très curieux. Si je reprends les termes de mes professeurs à l'époque durant les réunions parents-prof, c'était « Votre fils, il est intéressant, il est curieux, par contre il est sélectif, quand ça lui plaît, il fait, quand ça lui plaît pas, il fait rien. » Ce qui m'a valu des notes un peu bancales dans certaines matières. Je pense que j'avais un petit différent avec l'école à ce moment-là, j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi est-ce que j'étais là, pourquoi est-ce que j'y allais le matin. Et vous saviez, vous n'aviez pas d'idée de ce que vous vouliez faire ou vous aviez l'idée de ce que vous vouliez faire comme métier plus tard ? Alors à partir de la 6e, j'ai eu envie de faire menuisier. Pour la petite anecdote, mes parents ont déménagé quand j'étais en CM1. J'ai vu des ouvriers, des menuisiers et un peu tous les corps d'État venir dans mon appartement pour faire les travaux. C'est le déclic. C'est ça. Et à force de les regarder, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais je ne cherche pas, c'est ça que je vais faire plus tard. Et pourquoi avoir choisi une voie professionnelle et non pas une voie générale et puis après se rediriger vers... Ah, c'est une bonne question en soi. Lorsque j'ai quitté le collège, quand j'ai eu mon brevet, j'avais des notes aux alentours de 10-11. En forçant un peu, j'aurais peut-être pu aller en lycée général. On me l'avait proposé, mais je savais que ça ne fonctionnerait pas. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que j'étais là. On me demandait d'écouter des cours qui, selon moi, à ce moment-là, ne me servaient pas sur l'instant T. Donc il fallait que je fasse quelque chose qui me plaise. La menuiserie depuis la 6e, c'est ce que je voulais faire. Il fallait que je le fasse. Quand j'étais 3e, il fallait que j'aille dans ce domaine-là. Et pourquoi être venu à Saint-Nicolas et pas ailleurs ? Alors j'ai postulé à plusieurs lycées par sécurité. Comme je vous dis, je n'avais pas des notes extraordinaires, donc j'ai pas pris le risque de faire un one-shot lycée Saint-Nicolas, on croise les doigts et on espère. Et j'ai postulé à l'école Boulle en premier lieu, en diplôme des métiers d'art en ébénisterie. Aussi étonnant que ça puisse paraître, avec mes notes, j'ai été accepté à l'école Boulle et j'ai fait les portes ouvertes au lycée Saint-Nicolas. Le choix s'est porté entre Saint-Nicolas et l'école Boulle. J'ai dit, vous avez fait les journées portes ouvertes. C'est ça, j'ai dit à mes parents, en sortant des journées portes ouvertes, non, on arrête là, je veux aller au lycée Saint-Nicolas. Et ce qui s'est passé aux yeux du désarroi de ma mère, c'est que l'école Boulle me proposait un diplôme de métier d'art, lycée Saint-Nicolas me proposait un bac professionnel. Et pour moi, j'avais un objectif, il fallait que j'aie le bac. Je ne voulais pas avoir un diplôme de métier d'art sans avoir le bac. Le bac était pour moi un objectif personnel. Et en allant à Saint-Nicolas, j'avais l'impression de me former en fait, à la menuiserie de demain et pas à la menuiserie forcément d'hier, comme je le voyais en diplôme de métier d'art, qui reste très, très intéressant. Mais je voulais un bac. Et est-ce que tu peux nous dire comment ton parcours il a évolué au sein de Saint-Nicolas ? J'ai vraiment appris à découvrir, à aimer l'école. J'aimais ce que je faisais. Ton épanouissement dans cette filière, ça t'a donné une estime en toi qui t'a permis d'augmenter dans les notes, c'est ça ? Enfin, place. Ça m'a permis de grandir. Voilà. Faut savoir qu'en filière bac professionnel menuiserie, on a pas mal de stages. J'ai vu du milieu d'entreprises. Du coup, tu as pu apprendre de nouvelles choses. J'ai eu beaucoup de chance dans les entreprises que j'ai fréquentées d'être considéré comme un employé qui va aider, qui est là pour travailler. Donc, je me sentais utile. Et se sentir utile lorsqu'on sort d'un collège où on a eu le sentiment pendant 3 ans d'être un peu inutile, justement, ça fait du bien. Ça valorise et on veut continuer, on veut apprendre. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Et parmi toutes ces grandes choses que vous avez adorées chez Saint-Nicolas, quelle est pour vous la plus importante ou celle que vous avez tout simplement le plus adorée ? Alors, Saint-Nicolas, ça a été 3 années de ma vie très belles. Je ne regrette rien du tout. Si je dois garder un souvenir en tête, je pense que c'est vraiment le lien entre professeur et élève. Se sentir compris, écouté lorsqu'on a 15 ans, ça fait du bien. À ce jour, jusqu'au futur, que comptes-tu faire ? Comme formation, vie professionnelle. Alors, dans le futur proche, finir ma licence, avoir ma licence chargée d'affaires en agencement, continuer de me former un petit peu sur Paris, sur des chantiers, j'espère, de plus en plus beaux, et par la suite aller m'installer en montagne et me spécialiser dans la gestion de chantiers pour des chalets de luxe. Et contrairement à ce qu'on dit, le lycée pro ouvre beaucoup de voies, tu en es la preuve.
mais en quoi ça offre beaucoup de possibilités futures? Alors, je pense qu'avec de la motivation, on peut arriver à beaucoup de choses. Aujourd'hui, on est dans un pays qui nous permet quand même de faire, entre guillemets, ce que l'on veut à partir du moment où on se donne les moyens. Moi, en arrivant à Saint-Nicolas, jamais j'aurais pensé faire un bac plus 3 et me retrouver en licence chargée d'affaires. Mon idée, c'était d'aller à l'atelier, faire mon bac, aller travailler, on s'arrête là. Ouais. Saint-Nicolas m'a fait, entre guillemets, pousser des ailes en me disant « Allez, on peut rajouter 2 ans, on va faire un BTS, voilà, tente l'école boule, on verra bien. » T'as été pris une fois, peut-être que la deuxième fois, ça va passer. Finalement, c'est passé. C'est passé. J'ai fait un bac plus 2. À la fin du bac plus 2, on très m'a dit… Très bien réussi, la fin d'ailleurs. La fin était plutôt belle, en effet. Ouais. À la fin du bac plus 2, on m'a dit bah, tu veux pas rajouter une année, tu vas faire de la gestion, conducteur de travaux, chargé d'affaires, c'est mi-bureau, mi-chantier, tu vas diriger un peu des équipes. J'ai dit bon allez, on rajoute une année. Aujourd'hui, les choses ont changé. Moi, je le vois lorsque je discute avec mes parents, les deux sont issus d'une filière professionnelle. Ma mère est coiffeuse et mon père était peintre en bâtiment. Pour moi, la filière professionnelle aujourd'hui, surtout une filière comme la menuiserie, c'est loin d'être une voie de garage. Ça ouvre vraiment des portes, on est vraiment considéré par des professionnels. Sincèrement, j'ai des entreprises qui m'ont pris en stage ou même en alternance actuellement, pas parce que je suis diplômé de l'école Boulle, mais parce que j'ai fait un bac professionnel menuisier avant. Le fait que je connaisse les aléas du chantier, que j'ai déjà travaillé dans les ateliers en tant que poseur, les ateliers de Saint-Nicolas voilà. Ou même les ateliers d'autres entreprises, c'est ça qui les attire. C'est pas forcément le diplôme que j'ai fait, fait après. Le comportement aussi. Le comportement aussi. Vous devez décrire la filière professionnelle, cette filière-là, en quelques mots. Qu'est-ce que tu dis? Le premier qui me vient, c'est enrichissante. Au cours des semaines de stage que j'ai fait lorsque j'étais à Saint-Nicolas, ça m'a permis de développer un certain nombre de contacts, avoir des connaissances justement dans les milieux, la gestion de comment ça se passe un chantier pour de vrai dans les entreprises. Parce que travailler sur des projets à l'école, travailler sur un projet entreprise, c'est pas les mêmes contraintes, les mêmes impératifs, même si on s'en rapproche parfois. Comme tu le sais, aujourd'hui c'est les portes ouvertes. Oui. Qu'est-ce que tu conseillerais aux enfants, enfin aux élèves qui savent tout simplement pas comment choisir leur formation? Et si on fait ce qui nous plaît, justement, on va le faire bien. Et si on le fait bien, ça va marcher. Aller dans un domaine qui nous plaît et se demander pourquoi est-ce que j'ai envie de me lever le matin.